Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire un nouveau café des Queens parce que ça m'a beaucoup plu hier. Et bah du coup j'espère qu'aujourd'hui j'arriverai à vous intéresser à ce que j'ai à dire et avec un peu de chance avoir deux ou trois personnes en live avec moi pour me poser des questions, ça serait cool. Alors, j'ai pas préparé grand-chose aujourd'hui, mais il y avait un sujet sur lequel j'avais envie de rebondir. Et c'est que on se rend jamais vraiment compte de la situation, à quel point elle peut être toxique. Tant qu'on n'est pas allé regarder ailleurs. Tant qu'on est dans sa relation toxique, on respire de l'air toxique. On subit des comportements toxiques. Et on ne voit pas forcément qu'ailleurs, c'est mieux. On a même l'impression qu'ailleurs, bah, ça doit être pareil. Et d'ailleurs, c'est ce que la personne toxique nous dit souvent. C'est que chez nous c'est mieux, que heureusement qu'on n'est pas comme tel ou tel couple, qui eux sont pas heureux. Et effectivement, on voit que les autres couples se disputent aussi, et du coup on a l'impression que chez eux c'est pareil, mais c'est faux. C'est faux, il y a une énorme différence entre un couple qui se dispute de temps en temps pour des choses normales, pour des raisons valables, et un couple toxique où une des deux personnes rend l'autre malheureuse et misérable, sans aucune raison, juste pour le fun, juste pour le sport, la chasse. Et bon, voilà, donc ça, je ne vous apprends rien. Vous savez ce que c'est une relation toxique. Voilà, donc je voulais juste vous dire. Quand on est dans une relation toxique et qu'on n'en est pas encore parti, c'est très très important de se mettre dans la tête que il faut avoir une communauté de soutien. Il faut avoir, alors pas forcément des gens qui nous sont proches, même si c'est bien, quand on a du soutien de la famille, des amis, c'est bon, il faut toujours prendre, vous prenez toujours tout ce qui est bon. Par contre, aujourd'hui, je vais vous parler de communautés de personnes qui ont vécu la même chose que vous. Parce que ces personnes-là, elles comprennent vraiment ce que vous avez vécu. Elles n'ont pas des biais de pensée en disant oui, mais peut-être que tu as fait quelque chose pour l'énerver, ou mais non, c'est pareil chez tous les couples, ou oh, t'es sûr qu'il a voulu dire ça? Enfin, moi, ça, c'est le genre de choses qui m'énervent, qui m'agacent, et généralement, j'envoie chier. Donc, bon, moi, j'ai plus énormément de personnes autour de moi qui oseraient me dire ce genre de choses-là, c'est tant mieux, parce que ce genre de personnes-là ne me manquent pas. Mais c'est aussi important de pouvoir parler de ces choses-là avec des gens qui comprennent, à qui on n'a pas besoin déjà d'expliquer ce que c'est une relation toxique et l'abus, qu'on connaisse les mécanismes, même s'ils ne mettent pas des mots dessus, ils les ont certainement vécu, ces mécanismes toxiques. Et donc, il n'y a pas tout ce travail d'explication et d'éducation à faire. Ça prend déjà beaucoup moins de temps à expliquer et surtout on ne risque pas de recevoir une remarque stupide. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, parmi tous les milliers de conseils que j'ai à vous donner, c'est n'hésitez pas à trouver des personnes qui, comme vous, ont vécu des relations toxiques. Que vous soyez ou pas encore avec cette personne-là, parce que parler librement de ce qu'on vit ou de ce qu'on a vécu, c'est un plus. Et c'est quelque chose qui permet d'avancer. Parce que, alors certes, toutes les personnes qui ont été dans des relations toxiques ne sont pas
toutes au même moment de leur chemin. Il y en a certaines qui ont beaucoup avancé et qui savent tout à fait comment faire pour que leur développement personnel les amène vers une vie heureuse et sereine. Et il y en a d'autres qui en sortent à peine, ou qui en sont sortis il y a quelques temps, mais qui n'ont pas encore assez avancé sur leur chemin pour être sereines, reines et sereines. J'ai perdu mon fil de pensée. Voilà, c'est important d'être dans ces communautés-là parce que ces personnes-là vont vous tirer vers le haut. Au lieu de vous tirer vers le bas comme certaines autres personnes. Et ça, c'est essentiel pour aller mieux. Moi, je me souviens, c'est en lisant sur le net. Alors, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est en lisant sur le net, sur les pervers narcissiques, que j'ai beaucoup appris. En lisant les témoignages des autres personnes et en me disant ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu. Et ça à toutes les époques de ma vie. Et il n'y a que comme ça, en comparant mon histoire à la leur, que j'ai réussi à me mettre dans la tête que j'étais réellement dans une relation toxique. Ça, c'est, je parle de la toute dernière, parce que les fois d'avant, je n'avais pas ces ressources-là, et du coup, j'avais pas compris que c'était des relations toxiques, je pensais juste que c'était comme ça, et que c'était pareil partout. Et du coup, je suis retombée à nouveau dans une relation toxique par la suite. Donc c'est très très important de mettre des mots là-dessus, de comparer son histoire à celle des autres. Vous allez voir, il y a plein de choses qui diffèrent, mais il y a aussi plein de choses qui sont exactement pareilles et qui vont vous parler. Et troisièmement, attention à la personne toxique qui présente des excuses et dit qu'elle va changer. Parce que ça... c'est un leurre dans lequel on se jette trop facilement, un piège dans lequel on se jette trop facilement. Parce que, en tant que personne sensible, quand on présente des excuses et qu'on dit qu'on va changer, on le pense réellement, on est vraiment désolé. On va vraiment faire un effort pour changer, que cet effort soit couronné de succès ou pas. Mais en tout cas, les essais vont être là. Mais chez la personne toxique, c'est juste... elle n'est pas désolée. Elle ne compte pas changer, en tout cas, pas pendant très longtemps. Et c'est une manipulation pour vous récupérer. Donc c'est super important, justement, d'éviter de tomber dans ce piège-là. Parce que... tout est une question de temps et d'usure. Plus vous restez dans une relation toxique, plus vous êtes usé, plus c'est difficile de remonter la pente. Et le temps ne joue pas en notre faveur quand on est dans une relation toxique, parce que plus la personne toxique a du temps pour nous garder sous emprise, plus on perd notre confiance en nous, notre amour propre, notre estime de nous. C'est pas génial. Et c'est encore plus difficile de s'en sortir. Donc c'est super important de bien réfléchir, de bien prendre le temps de peser le pour et le contre, d'en parler avec des personnes justement de cette communauté dont je vous parle, qui vont pouvoir vous conseiller, vous mettre en garde. Et ensuite, ne pas tomber dans le piège, c'est-à-dire que si vous y retournez, c'est pour préparer votre départ plus sereinement. Parce que des fois, c'est pas toujours possible, même si ce serait préférable, de partir comme ça,
de se barrer et de le laisser ou la laisser en plan. Des fois, on a des enfants, on est marié, il faut divorcer, on a des biens en commun, il faut se débrouiller pour éviter de perdre trop de plumes et surtout d'avoir des soucis de garde avec les enfants. Donc, des fois, on est obligé de revenir, ne serait-ce que quelques temps, pour justement repartir plus facilement par la suite et en tout cas avec moins de dégâts. Ce que je dis là, ce n'est jamais vrai dans le cas d'une situation où on est en danger. Juste, je mets ça entre parenthèses avant qu'on me dise « Oui, tu dis de retourner alors qu'il me frappe. » Non, je dis pas ça. Je dis ça dans le cas où ce sont des violences psychologiques. Pas que ce soit rien, hein, les violences psychologiques, attention, c'est affreux. Mais c'est le genre de choses qui est plus facile à endurer. Qu'on peut à un moment donné contrer si on a les bonnes tactiques. Justement, le temps de partir, quoi. Le temps de partir, voilà. Des fois, on ne peut pas partir tout de suite et c'est important de connaître les tactiques pour vivre le mieux possible dans sa relation toxique, le temps de tout rassembler et de se barrer dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a du monde? Je vois qu'il y a du monde. Faites-moi coucou, n'hésitez pas. Ça me ferait plaisir. Si jamais vous avez des choses à me dire, comment ça se passe votre journée ou des questions, ben, je prends. Je prends, ça m'intéresse. Je suis là pour discuter avec vous. Et puis, voilà, si je peux vous aider au passage, ça me fera super plaisir. Ici, aujourd'hui, il ne fait pas super beau. C'est pas super agréable. Mais je suis heureuse parce que... Alors déjà parce que je suis... J'ai pas envie de dire tout le temps, mais la majeure partie du temps, je suis heureuse. Je suis quelqu'un de positif et d'optimiste. Mais là, particulièrement, en fait, je ne sais pas si je vous ai raconté ou en tout cas... Enfin, je l'ai déjà raconté plein de fois, mais je ne sais pas si vous qui me regardez êtes au courant. Avant, il fallait que je sorte régulièrement dans la semaine. C'était obligé, il fallait que j'accompagne mes enfants aux thérapies, j'avais des choses à faire. Et ces sorties-là, c'était plutôt pesant pour moi. J'avais assez de mal. Généralement, je stressais le matin. Je sortais 3 heures l'après-midi et je revenais pliée, fatiguée le soir. Et... pareil, le lendemain, j'étais pas capable de faire grand-chose. Je faisais le strict minimum en traînant les pieds, en ayant envie de me poser sur le lit et de mourir, vous voyez. Et en fin d'année dernière, j'ai pris une décision qui n'a pas été très bien accueillie, mais finalement, qui a été une très bonne décision. C'est de déléguer. Alors, j'ai la chance, la possibilité de déléguer le transport de mes enfants jusqu'à leur thérapie. Et pour tout vous dire, pendant qu'ils étaient aux thérapies, moi j'étais dans la salle d'attente à me faire chier pendant 3 heures avec du monde qui passe. Alors les gens sont pas désagréables, mais moi ça me stresse. Et puis, il y a beaucoup de bruit, les salles d'attente sont petites, les gosses courent partout. Alors, pas que ça me gêne, mais quand la salle est toute petite et qu'on ne sait pas qu'on sait pas comment se mettre, ni où se mettre pour ne pas déranger les enfants, c'est compliqué. Et du coup, j'ai récupéré mes mardis, mercredis, jeudi, vendredi, que je n'avais plus, parce que j'étais stressée. Parce que j'ai fait un bilan neuropsy l'année dernière qui m'a trouvé des... Le neuropsy m'a trouvé des troubles anxieux.
Ce qui m'étonne pas du tout, parce que j'ai quelqu'un. Enfin, je suis. J'étais quelqu'un de très angoissé, ça va mieux maintenant. C'est un petit peu normal. Enfin, j'imagine que vous savez ce que c'est si vous avez été dans une relation toxique. Tout ce qui est angoisse, crise d'angoisse, stress post-traumatique, dépression, tout ça, vous savez ce que c'est. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de vous l'expliquer, je sais que vous connaissez bien. Et donc, en dehors de ces troubles anxieux, il y a une suspicion d'autisme surcompensé, c'est-à-dire que mes difficultés, je les surcompense. Et ça m'épuise. Donc bon, c'est pas un véritable diagnostic. Ça ne passait qu'en deuxième par rapport à mes troubles anxieux sur le bilan. Mais moi, je pense que c'est une réelle possibilité. Et donc du coup, le fait d'avoir pris cette décision qui a été très difficile à prendre parce qu'on m'a beaucoup culpabilisée, on m'a beaucoup mis des bâtons dans les roues, et ben ça m'a changé la vie. Et aujourd'hui, c'est le bonheur. Et j'ai l'impression d'avoir... Je comprends pas pourquoi j'ai pas pris cette décision avant, en fait. J'ai l'impression d'avoir remis la main sur ma vie, d'avoir récupéré énormément d'énergie. Du coup, je peux m'occuper des enfants avec plus d'énergie, avec plus de fun. C'est vachement bien, en fait. Au lieu de rentrer fatiguée et d'avoir du mal à gérer, de ne pas avoir beaucoup de patience, de devoir faire les choses rapidement, dans l'urgence, enfin voilà. Ah, il y a un message de Marie. Alors attends, je vais essayer de voir si j'arrive à le lire. Bonjour Marie d'ailleurs. Hello, je suis en train de remplir petit à petit les démarches administratives pour faire payer le pervers narcissique et j'ai bien besoin de motivation vu mes problèmes de santé. Je fais comme je peux, mais je vais y arriver. Oui, tu vas y arriver. Déjà parce que c'est super important. Et je te félicite et je t'encourage. C'est super, Marie. C'est une très très bonne résolution que tu as prise. Je sais que tu as des problèmes de santé chroniques et que c'est très fatigant et très douloureux. Donc j'admire ta motivation et j'admire ton courage. C'est bien, tu le fais pour ton enfant. C'est impeccable. Si j'avais un conseil à te donner, c'est un pas à la fois. C'est le genre de choses qui sont super difficiles à faire parce que j'imagine qu'il faut réunir plein de papiers et qu'il faut aller parler à plein de gens et il faut faire plein de démarches. Et ça peut sembler être une montagne. J'avais fait un live à ce sujet, c'est avancer malgré la peur. Il y a pas mal de conseils là-dedans qui sont applicables même si c'est pas une question de peur, tu vois, c'est une question de se fixer des objectifs réalisables, marcher sur la durée et pas forcément sur le sprint. Parce qu'on a plus de résistance à se lancer dans quelque chose qui est énorme plutôt que dans des tâches que tu as décortiquées en tout petit. Je pense que tu vas tout poutrer, comme d'habitude. Parce que moi, Marie, ça fait un petit moment que je te vois évoluer et je trouve que tu as vachement bien évolué. J'en ai les larmes aux yeux. Tu fais de ces progrès, Marie, mais je suis tellement fière de toi. Je pense que tu vas réussir comme tout ce que tu entreprends. Et donc je t'envoie, j'ai pas de pompons ici, mais je t'envoie des pompons. Marie. Et plein de motivation et de love sur toi, parce que tu le mérites, t'es une belle personne. Et
Voilà, et donc oui, je vous mettrai le lien vers le live Avancer malgré la peur. Parce que, je sais plus, il doit durer 1 heure, mais il y avait plein de bons conseils dedans qui sont adaptables aussi quand c'est pas une question de peur. Donc, des fois, c'est juste des blocages qu'on a. Des fois, c'est juste des croyances limitantes. Et voilà, je pense que ça peut être utile. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez du café des Queens. Moi, en tout cas, je m'éclate. Je suis ravie. Je bois pas beaucoup mon café parce que je papote beaucoup. Mais c'est chouette. Je sais pas si je ferai ça tous les matins, mais ça me plaît beaucoup. Alors, si jamais vous aviez la gentillesse de me mettre un petit commentaire là-dessous pour me dire déjà si vous aimez le format, si vous avez des questions pour la prochaine fois, parce que si en plus vous me donnez des thèmes, je serais ravie de les aborder pour vous, avec vous. Je vais aussi vous mettre l'URL, le lien vers le groupe Facebook Les Affranchis. Justement parce qu'on en parlait, la communauté de soutien, elle est là. Donc je vais vous le mettre dans... Alors, ou là, je sais plus. Enfin bon, bref, dans le post. Je vais vous mettre le lien. Si vous êtes encore dans votre relation toxique et que vous avez décidé de résister, je vais vous mettre mon lien aussi vers le programme Résister, qui est fait exprès pour les femmes qui sont déterminées à partir, qui sont courageuses et qui ont envie de se faciliter le temps qui reste où elles sont obligées de cohabiter avec la personne toxique avant de pouvoir partir. Et je serais ravie de vous y accueillir. Il y a un groupe spécial où j'interviendrai, où je répondrai à vos questions. Voilà. Je vous y attends. Je crois que j'ai fini ce que j'avais à dire. Puis s'il n'y a plus de questions, j'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression qu'il reste des questions ou des commentaires. Je verrai bien, de toute façon, s'il y en a, je les aborderai au prochain Café des Queens. Je vous embrasse. Je vous envoie des tonnes de motivation par camion UPS. Parce que Chronopost, ça pue. Excusez-moi, je suis méchante, mais Chronopost ne sonne pas à la porte, ça m'agace. Donc, des tonnes de motivation, des tonnes d'encouragement, des tonnes d'amour sur vous. Qu'aujourd'hui. Oh! Et si je vous tire une carte? Ça pourrait être chouette, ça. Alors. Et si je vous tirais une carte? J'ai des cartes d'oracle qui sont assez fun. Et j'aime bien tirer les cartes une fois de temps en temps. Je vous mettrai la photo de la carte dans les commentaires. Et qu'est-ce qui pourrait... Alors, je voudrais tirer une carte qui pourrait vous aider aujourd'hui sur votre chemin. Quelque chose qui puisse vous donner de la force, du courage et vous permettre d'entamer une réflexion qui va vous être bénéfique. Je mets cette intention dans ce tirage. Qu'elle puisse vous apporter quelque chose de chouette aujourd'hui. Ah, c'est celle-là que je veux. Hop. Oh. Elle me plaît beaucoup, cette carte. Alors, est-ce qu'on la voit? La carte dit nouvelle lune en balance, un nouveau cycle romantique commence. Si ça, c'est pas merveilleux comme carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien.
Ah, en plus, elles sont magnifiques, ces cartes. Je suis ravie. Ça, alors, si c'est pas intéressant comme carte à tirer, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut l'être. Et franchement, pour toutes celles qui ne sont pas dans une belle relation, comme moi, parce que je peux vous dire que moi, ma relation, c'est la meilleure relation que j'ai jamais eue. Et je veux pas dire qu'elle est parfaite en tout point, mais bon, on n'en est pas loin. Moi, pour moi, cette carte n'est pas forcément applicable. Mais même quand on est dans une belle relation, il faut savoir renouveler l'amour, la passion, la joie, le bonheur, ne pas tomber dans des routines désagréables, au contraire faire des routines qui sont agréables. Donc moi c'est comme ça que je l'apprendrai pour moi, c'est-à-dire prendre du temps pour réfléchir à qu'est-ce qui pourrait encore améliorer ma relation amoureuse. Mais pour toutes celles qui sont dans une relation toxique, il y a deux sens que j'y vois. Et puis si vous vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Le premier sens, c'est évidemment quitter la relation toxique et retrouver l'amour avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sera, je vous le souhaite, une belle personne et qui vous aimera comme vous méritez d'être aimé. Mais je le vois aussi comme commencer commencer une nouvelle relation avec soi-même aussi. C'est-à-dire apprendre à s'aimer, à se faire confiance, à s'estimer. Ça, purée, ça c'est super important et je pense que c'est la base pour avoir de belles fondations dans une nouvelle relation. C'est vraiment la base. Il faut que vous deveniez la personne la plus importante de votre vie, afin de pouvoir la partager à quelqu'un qui vous méritera. Bon, voilà. J'ai pas fini mon café. Mais c'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça m'a fait super plaisir. Je vais poster les vidéos sur YouTube, sur mon channel YouTube. Alors, peut-être pas dans la journée parce que ma connexion n'est pas géniale. Mais en tout cas, tout bientôt. Et puis, j'espère vous retrouver au prochain Café des Queens. Entre-temps, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!